Yo à tous, c'est Shane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, il y a Brice qui m'a invité pour que je vienne visiter sa maison. Et oui les amis, YouTube ça paye bien. Et je me suis procuré cette magnifique maison gigantesque. Aujourd'hui j'ai invité Shane à visiter ma maison. Alors normalement il devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais en attendant je vais commencer la visite avec vous les gars. Et puis c'est parti quoi. Il a acheté une maison sur Minecraft tellement il est riche. Regardez la dinguerie. J'arrive même, le gars il a un mini port avec son voilier. On rentre dans la maison, petite porte d'entrée, et regardez juste ici, il y a le meuble à chaussures, les gars. Le meuble à chaussures, parce que dans ma maison, on enlève tout le temps ses chaussures. Alors ensuite, bon, on rentre tout de suite, on a la cuisine. La cuisine, les gars, je suis trop fier. Et on a juste là tous les ustensiles nécessaires pour faire un délicieux repas. J'en fais peut-être un peu trop. Pas du tout, je suis trop content, les gars. Attends, mais il a acheté une île, et en haut de cette île, il y a sa baraque. Non, mais Brice, à un moment, il faut rendre l'argent aux abonnés, hein. Ça va pas se passer comme ça, je suis sûr, il a masse diamant, je vais lui demander de m'en filer. Salut à tous et à toutes, les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter Harry Potter, la magie émerge. Tu me demandes à moi de présenter un jeu Harry Potter? Mais quand tu veux, frérot. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à collectionner et RPG en multijoueur. Où tu vas pouvoir utiliser de la magie avec des cartes que tu vas pouvoir envoyer pour attaquer et vaincre tes ennemis. Voici à quoi ressemblent les cartes. Elles sont toutes à collectionner. Comment y jouer? Ce jeu est gratuit dès maintenant sur iOS et Android. T'auras un lien en description, mais avant ça, je t'explique un petit peu le délire. Après avoir reçu une invitation à fréquenter l'école de sorcellerie de Poudlard, vous allez pouvoir combattre en mode multijoueur, dans des matchs en temps réel. Vous allez pouvoir parcourir les boutiques éblouissantes du chemin de traverse, résolver des mystères en parcourant les couloirs de l'école, jouer au Quidditch, danser au bal, explorer la forêt interdite et bien plus encore dans ce nouveau jeu de rôle et de collection de cartes. Est-ce que tu connais un son Harry Potter? Wintergem Leviosa? Eh bien c'est dans le jeu. Expelliarmus aussi. Je suis sûr je l'ai mal dit. Dans le jeu, il n'y a pas que le jeu de cartes. Tu vas pouvoir faire des potions, dompter un hippogriffe en colère. Dans les combats, tu vas pouvoir faire des 1v1 et des 2v2 pour tester tes compétences sur plus de 70 cartes à collectionner. Et la chose la plus importante, tu vas pouvoir participer à la cérémonie de répartition. Bah ouais. Savoir dans quelle maison tu es. Ce que je veux dire, celle-ci ou celle-ci. Moi, je suis Serdaigle. Et puis bon, si tu veux que ton personnage il ait pas de chapeau ni de lunettes, tu vas pouvoir aussi le créer comme tu veux. Enfin bref, j'espère que t'as kiffé. En tant que grand fan du monde de la magie, je t'invite à télécharger le jeu juste en premier lien de description. Va y faire un tour, c'est gratuit encore une nouvelle fois. Un grand merci encore une fois à Harry Potter, la magie émerge. Et puis elle est sympa cette baguette là. Waouh ! On reprend la vidéo. Ok les gars, avant de montrer la suite, je vais vous montrer ma cachette à diamants. Par contre, quand il y aura une chaîne, je ne vais absolument pas lui montrer les gars, parce que sinon il va voler tous mes diamants. Comme un mètre d'altitude là. Ok les gars, alors dites-vous que sans le savoir, vous êtes passé à côté de ma cachette à diamants. Oui oui oui. Quand j'étais juste ici, on la voit ma cachette. Oui 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 oui. En fait les gars, en réalité, elle est juste ici. Vous voyez ce bloc de terre? Eh bien je vais le casser, je vais recasser encore. Et là on va avoir la pierre. Là on va casser, casser, creuser sous les pieds. Et là, la magie opère. Juste ici, un coffre avec, attention messieurs dames, rempli de diamants. Bon attendez, hein, c'est déjà très très bien, vous vous en rendez pas compte de ce que ça vaut ça, hein. Du coup, je pose mes 13 diamants à l'intérieur et je vais remonter. Tac, 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 tac. Et voilà, mesdames et messieurs. Bon, il m'a donné rendez-vous à midi, il est midi 5. Je suis déjà en retard. Ok, sa maison est incroyable. Le mec, c'est même pas une maison sans bail. C'est une école. C'est Poudlard, en fait. Et ici, il y a ma bibliothèque personnelle. Alors, avec moult livres, vous me connaissez, je suis un grand lecteur de livres. Oh, il y a son petit toutou. C'est le chien de Brice. Est-ce que tu pourrais aller chercher Brice? Dis-lui que je suis arrivé, d'accord? Oh les gars, je crois qu'il y a une chaîne qui arrive. Attendez, je vais aller voir à la porte. Oh oui, il est là. Coucou Charles, ça va? Oh, salut Brice. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, mais mec, mais attends, mais ta maison, t'as vu comment elle est en hauteur de malade? Eh ouais, frérot, eh, ça c'est grâce à YouTube. T'as vu la baraque de ouf? Attends, quoi, YouTube, t'as acheté ça là? Bah ouais, frérot. Non, mais attends, et t'en aurais pas un petit peu à me prêter? Bah frérot, tu connais, je garde la richesse pour moi quand même. Ce que j'ai gagné, c'est mon dû, hein. Vas-y, hein. Tu peux rentrer? Ouais, ouais, bien sûr, vas-y, vas-y, y'a pas de soucis, frérot. Waouh! Et la tienne, t'as vu ça? Ouais, ouais, ouais. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Vas-y, montre-moi ta chambre. Ma chambre? Alors, attends, suis-moi. Waouh! Oh, t'as une table de jeu. Ouais, et là, c'est ma petite chambre, frérot. Voilà. Le lit pour les invités. Bon, moi, je me garde le grand lit, quand même. Vous pouvez pas dormir? Ah. Bah non, c'est mon lit. Bah, bien sûr que non. Ok, c'est grave cool. Ouais, oh, t'as des diamants dans ce coffre? Ah non. Mais comment, tu cherches beaucoup mes diamants, quand même, frérot? J'ai pas de diamants. Hein. Non, mais je suis comme ça pour rigoler. Ok, ok, ok. Oh, t'as tous des coffres et tout, là. Oh, je suis sûr que t'as des diamants. Mais non, j'ai pas de diamants, mais... C'est fou ça. Genre t'as une maison, ta maison elle est vide genre. Bah là j'ai une épée en diamant là. Mais genre en mode c'est mon stuff quoi. Pour affronter les mobs. Ok. Bah écoute frérot, je te laisse visiter un petit peu, faire ta vue, ce que tu veux. Je vais faire à manger, je vais te faire un délicieux repas. Donc bouge pas, je reviens. Vas-y mec, vas-y je vais lire. Il a vraiment cru que j'allais lire les gars. Je suis sûr les gars il a des diamants cachés, c'est pas possible frérot. Tu vas me dire qu'il a tout ça comme coffre, il a rien dedans. Ok, tout
toutou. Je sais où t'as vu la cachette de Brice. Dis-moi, est-ce qu'il a caché ses diamants? On va faire avec un toutou parce qu'il a le flair des diamants. Là, le problème, c'est que c'est pas mon chien. On va le transformer avec ceci. Je vous présente le chien Shay. Maintenant, ce chien m'appartient. Salut mon toutou, vas-y saute. Fais un tour complet. J'ai quoi dans mon frigo? Ah, j'ai rien dans mon frigo, faut vraiment que j'aille faire les courses. Ok mec, je te donne une mission. Tente de trouver la cachette secrète de Brice, d'accord? Let's go, on va te voler ces diamants. Le chien il se dépêche parce que Brice il est juste là. Regardez, il est en train de faire la cuisine, frérot. Elle est longue la cuisson, elle est super longue. Hein? Wesh, qu'est-ce qu'il fait mon toutou? Il creuse comme pas possible. Oh mon dieu! Eh, hey, mais attends, mais ça, c'est un bloc secret, ça? Ah, je crois que c'est bientôt prêt, je crois. Mais les gars, mais attends, mais c'est quoi mon chien de l'enfer? Il a trouvé une cachette secrète, regardez, là, il saute et tout. Non! Non, la dégris! Seuls ceux qui ont déjà eu un coffre full diamant ont le droit de liker cette vidéo. Ah, c'est prêt, nickel, je peux enlever le poisson, je vais mettre ça dans une assiette et puis c'est bon. Mec, t'es le meilleur chien de toute la terre, les gars, mais c'est quoi cette dégris? Ok, on va vite refermer l'entrée. Sors vite, toutou, sors vite! Mince, j'ai besoin de blocs. Elles sont mes assiettes. Mais ouais, mais il est nouvelle la maison, je me rappelle plus où sont les assiettes. Ah, bah sur la table. Hop, je mets ça ici et maintenant faut que j'aille chercher Unchain. Unchain, t'es où? C'est prêt. Wouh! Fuis toutou, il arrive, fuis. Oh, tu fais quoi dehors? Je voulais prendre l'air. Et attends, il est où mon chien? Je sais pas, je croyais il allait vers le moulin là-bas. Ah, il est parti vers le moulin. Ah bah des fois il fait ses balades tout seul, je le laisse en vrai hein, bon de toute façon, il peut pas se perdre. Et du coup, ouais, tu étais dehors, tu voulais prendre l'air un petit peu? Ouais, je ça prêt à manger. Ouais, c'est prêt. Tu m'as fait quoi à bouffer? Un petit poisson frérot. Hop, regarde, tu l'as juste en face. T'as du pain si tu veux. Regarde le pain, regarde, il fait tout pipi blay. T'as vu le poulet aussi? mec, c'était vraiment bon. Hein. Merci beaucoup pour le repas. Ouais, y a pas de souci. Par contre frérot, je suis désolé, je vais devoir bouger parce que j'ai perdu mon chien, je sais pas où il est passé. Ah. T'es sûr? Bah ouais, il était dehors tout à l'heure et bah là, il est plus là. Donc ça m'inquiète un petit peu, tu m'as dit que tu l'as vu partir vers le moulin, donc je vais aller vers là-bas, je vais aller chercher. Et écoute, soit tu restes un peu à la maison, soit tu rentres comme tu veux, c'est ok, voilà. Tu me dis si t'as besoin d'aide, ok? Ouais, t'inquiète, y a pas de soucis. Ok, parce que je vais pas tarder à devoir y aller, moi. Bah vas-y, écoute, au pire, tu m'envoies un message. Ah... Il est où mon chien? Bon les gars, regardez le nombre de diamants que j'ai réussi à avoir, d'accord? Les gars, je sais vraiment pas où est mon chien, c'est... Oh oui, mon diamant! Oh, j'ai failli l'oublier! Oh, les gars, la dernière fois, j'ai eu du diamant, j'ai miné du diamant, et je l'ai laissé ici, parce que j'avais pas encore un set de coffre. Et heureusement, John l'a pas vu en visitant le moulin. Les gars, écoutez-moi, le problème c'est que son toutou, j'ai dit au hasard, son toutou il est même plus au moulin. Et je l'ai transformé en toutou Unchain, jamais il va pouvoir retrouver son chien. Mais ce qu'on va faire, c'est que je suis sûr que sur sa map, regardez, il y a un autre truc secret. J'ai rien fait. Regardez tous les tout coffres qu'il a, mec. C'est pas possible. Du coup, bah, écoutez, je sais pas où est mon chien, vraiment. C'est un truc de ouf. Que je vais rentrer et j'espère que mon toutou, il est à la maison et qu'il s'est caché, qu'il me fait une petite farce. Hop, moi aussi, j'ai des coffres. Et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais me transformer moi-même en coffre. Et comme ça, je vais lui dire que je suis parti de chez lui. Il va mettre ses items dans le coffre. Et ça va être moi. Je vais mettre le coffre dans un endroit sympa. Bah, ici, là, je posais le coffre ici, pile devant sa chambre. Hop, nice. Bon, ici, le coffre Unchain. Je vais me transformer, je vais me mettre à l'intérieur en cachette. Oh, les gars, je viens de recevoir un message de Unchain. Attendez, moi. Un vocal, ce qu'il m'a dit. Yo Brice, du coup j'espère que t'as trouvé ton chien, j'ai dû partir. Merci encore pour la bouffe, on se capte une prochaine fois. J'ai bugué. Wow, il a bugué, mais ok, donc il est parti, il est rentré du coup. Toutou, t'es où? Je vais aller voir, souvent il dort sur mon lit, donc peut-être qu'il est en haut, je sais pas. Oh, what? Attendez, c'est quoi ça? Oh, mais ok, j'ai compris, ok. Les gars, il y a une chaîne qui est partie, il a pas pu rester à la maison. Et je pense qu'il m'a laissé ça en cadeau, c'est un coffre Unchain. Ah, comme il l'a fait, j'aimerais bien en avoir un mon effigie, moi aussi. Bah attendez, tu sais quoi? Je vais mettre mon diamant dedans, que j'ai trouvé tout à l'heure. Bon, je le rangerai plus tard dans ma cachette secrète. Putain, c'est stylé en vrai. Ça, c'est un beau cadeau. Attends, je vais lui envoyer un message vocal. Tu as reçu un message de Brice? Franchement, frérot, merci beaucoup pour le petit coffre Unchain que tu m'as laissé. Il est trop stylé, frérot. Et malheureusement, je n'ai pas encore eu de nouvelles de mon toutou. Voilà, je l'ai paumé. Je sais pas où il est. Mais en tout cas, voilà, j'espère que t'as bien rentré et gros bisous. Right, les gars. Je crois que ça a fonctionné. Il a mis son stuff dans mon coffre. Toutou, t'es où? J'espère qu'il est pas tombé dans l'océan. Alright, je fais disparaître le coffre et regardez ce que j'ai. 64 diamants. On va le piller, Brice. Non mais frérot, au début il dit quoi? Non, je peux pas t'en donner, j'en ai pas. Mec, j'ai un stack entier de diamants. Par contre, il faut que je fasse gaffe où il y a Brice parce que là le problème c'est que je suis plus en coffre. Je crois qu'il est en bas devant la maison. Oui, il est en bas devant la maison, regardez. Oh là là. Peut-être dans le champ, mais normalement je pense pas. Bon bah écoutez les gars, franchement honnêtement je suis désespéré. Voilà, je pense que je vais taper une petite sieste, je suis hyper triste. Oh! Attendez mais... Oui. Le coffre il a disparu? Mais attends, mais il est où le coffre là où j'ai mis mes diamants? Attends, j'ai perdu mes diamants en plus! Mais mec, j'ai perdu tous mes diamants! J'ai perdu mon chien et mes diamants que j'ai trouvé tout à l'heure, mais c'est une blague! Oh, j'ai peut-être une idée. Mon chien il adore aller à ma base ultra secrète. Peut-être qu'il est là-bas en fait. Je vous ai pas montré tout à l'heure la base ultra secrète. Je vais vous y amener tout de suite et peut-être qu'il y aura mon chien là-bas. Okay.
T'es allé où, Brice, frérot? Je l'ai perdu de vue, là. Enfin, il faut que je sorte de cette maison. J'ai interdit mon chien d'aller à l'intérieur, mais bon. Il est où, Brice, frère? Je vois son place quelque part. Je voulais pas montrer tout de suite, les gars, ma petite base ultra secrète. Mais c'est normal, vous allez comprendre pourquoi, les gars. Regardez. Il est sous la maison, là, Brice. Oh là! Il faut faire un parcours hardcore pour y arriver. Sauf que moi, vous me connaissez, je suis un professionnel en parcours. Et je vais y arriver du premier coup. Là, là! What the fuck? Une trappe de baiser! Ok, les gars, c'est parti. Regardez, let's fucking go. Hop. 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 Et attention, messieurs, dames. Hop là! Voilà! On récupère le petit Elytra. Bang! Et regardez, je m'équipe de mes Elytra. Hop là! Ma petite planque à diamant, les gars! Let's fucking go! Mais mon chien n'est toujours pas là. Non, bah écoutez, je vais rentrer à la maison du coup. Et puis je pense que, bah, comme j'ai dit, je vais faire une petite sieste. Voilà. Espérant qu'à mon réveil, mon toutou soit rentré, bien évidemment. Hein. Je l'entends dormir. Je l'entends dormir. Ok, ok. Bon, allez. Hop là, on rouvre. On va fermer. Hop. On va encore voler plus de diamants. Qu'est-ce que c'est, cet endroit? What the fuck? Faut pas que je me loupe. Quoi? Oh, oh, ça tourne. Oh. Oh! Je vais tourner hyper vite, hein. Ok. Ok. Let's go! Oh yeah! Plus qu'un dernier! Hein? Oh! Yes! C'est où? C'est où son? C'est caché, c'est secret. Là, il y a des ailes. J'essaie de prendre les ailes. Ça va m'aider de prendre les ailes. Hop. Ah! Oh. Nice. Qu'est-ce que je dois faire avec les ailes, les gars? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Oh! Il a pété, je l'ai entendu d'ici. Oh, il y a un bloc de diamants! Oh mon dieu, il a des blocs de diamants! Oh le bâtard! Ok, let's go! Ah oh là 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 là! Je suis riche! Bon, je peux pas casser le bloc de diamant, j'ai pas de pioche. Mais regardez, maintenant j'ai deux stacks full! Je vais revenir ici avec une pioche, avec le bordel. Mais franchement, Brice, ça se voit qu'il a pas confiance en moi. On se retrouve demain avec la pioche. Right, les gars, pioche en diamant, c'est parti. On va vite reprendre la table de craft. Il a rien vu. Les gars, je viens de me réveiller. J'ai une illumination. Je sais où est mon chien. Je sais où il est. C'est le seul endroit que je n'ai pas encore été vérifié, les amis. Après, s'il sort de sa baraque, je vais pouvoir aller reprendre les diamants qu'il y a à l'intérieur de son espace secret. I know. Je sais, tout s'illumine désormais. Regardez juste ici. C'est une dimension très spéciale que j'ai conçue, les amis. Je vais aller dans l'espace. Et mon chien, des fois, se balade ici. Et malheureusement, une fois, il est déjà rentré à l'intérieur. Où est-ce qu'il va? Mais pour ça, les amis, avant de rentrer, il faut que je me mette en combinaison de cosmonaute. Regardez, les amis, j'écris mon prénom. Et regardez ce qu'il y a juste ici. Et c'est ma combinaison. Astronaute. Je vais la mettre immédiatement et regardez, je suis désarmé en astronaute. Wesh, faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie. 3, 2, 1, let's fucking go. Wouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais me sauter, je vais sauter. Wouh. J'y vais voir. Alors oui les amis, j'ai également ma base sur la lune. Alors bon, pour y vivre bien évidemment, je suis obligé d'être avec cette combinaison là. Un portail vers une autre base avec encore plus de diamants. Je m'arrêterai jamais. Toutou, où est-ce que t'es, Toutou? Toutou. J'ai vu qu'il a mis une combinaison avant d'entrer à l'intérieur. Je pense qu'on va faire la même chose, les gars. C'est parti. Boum. Je suis transformé, moi aussi. Par contre, les amis, je vous fais confiance. Vous ne dites rien sur ma réserve de diamants sur la lune, ok? Vous ne dites surtout pas Unchained. J'ai pas envie qu'ils viennent dans la lune, dans ma demeure, pour aller me voler tous mes diamants. Ok, bon, par contre, mon toutou, il est pas encore là, les gars. Il est où, frère? Je l'ai perdu, mon toutou. Il est pas là, les gars. Je vais rentrer à la maison. Allez, hop. Je rentre à la maison, moi. C'est bon. Bon, allez. Je vais rentrer à la maison. Mais les gars, je pense qu'on va faire la même chose. Regarde, il est en train de remonter là sur sa petite barrière. On va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. J'ai pris des dégâts. What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Il y a des poules. Mais attends, mais attends. Brice, il a un portail pour aller sur la lune. Et c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette base de malade? Mais... En plus, il a mis des mobs qui ont une seule jambe pour protéger sa base. On va vite rentrer à l'intérieur, j'ai peur. Heureusement que j'ai la tenue, sinon je pourrais pas respirer. Oh. Allez, les gars, c'est parti au charbon. Avec ma petite pioche en diamant, les gars, on va tout récupérer. Et ensuite, on va se tailler avec son bateau. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter 3 villas minimum. Plus un jet privé, hein. Largement. 5 stacks de diamants, plus 28 blocs. Alors dites-vous que un bloc de diamant, ça m'en donne 9. Donc regardez tout ce que je vais faire.
3. Allez, je pense que ça suffit. On se taille vite avant qu'il le remarque. Il faut jamais être trop gourmand parce que du moment où t'es trop gourmand, ça peut te retomber dessus. Ok, ok. Done. Let's go, mission réussie. Bon, en vrai, tout ce que j'ai, c'est bon. Je me taille avec son bateau. Reste à la vista, baby. C'est quoi ça? Dynamite? Il a dynamite sur son bateau? Je sais pas prendre ce bateau de malade! Oh! TNT nucléaire? Mais d'où Brice, les gars? Il cache ça dans son bateau, c'est un malade! Mais je vais utiliser cette dynamite! Vous savez, moi j'adore tout faire exploser! Sachant que les bases qu'on a trouvées, nous, elles étaient où? Sous sa maison! Regardez cette île comment elle est immense, je suis sûr qu'il y a une cachette en plein milieu. Et pour ça, on va faire tout exploser! Il avait qu'à pas me mentir! Que la maison de Brice! Alors comme ça, on n'a pas de diamant, hein? Y'a rien à la télé! Vas-y! Y'a rien! Hop là. Wesh. Ça met des TNT en plus. Pourquoi ça explose? On se cache. Pourquoi il pète ma maison? C'est quoi ce délire? Au secours. C'est quoi ce délire? On se cache ici. Ma maison les gars. Non. Attendez, mais c'est qui là-bas? On va faire exploser son moulin. Non. Mon moulin. Non, c'est... Ah, mais en plus, je tombe dans l'eau, je sens pas. On l'a fait tomber. Wesh. Regardez. Non. Ok, maintenant, on va s'occuper de sa maison, les amis. Il est plus là, c'est finito. Où sont tes coffres cachés? Hein? Dis-nous la vérité. Oh my god. Oh. Ah, c'est quoi ça? J'ai réussi à monter dans mon champ. Et voilà. Échec et mat. On lui prend tout. 64 Mon inventaire est maxé. Je crois que c'est une chain, les gars. Je vais la voir. Une chain. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Qu'est-ce que tu fais Brice, là? Brice, arrête. Pourquoi t'as fait ça? Arrête de me taper. Stop. Pourquoi t'as cassé ma maison? Mais de quoi ta maison? T'as vu tous les diamants que t'as? Je vais pouvoir t'acheter 15 des maisons comme ce que t'avais là. C'est à moi. Pourquoi t'as fait péter ma maison? Arrête, je vais faire tout exploser ton diamant. C'est quoi? Il va plus appartenir à personne. Voilà, non, ton diamant il disparaît maintenant, il sert plus à rien. Non, mon diamant. Et en plus j'ai une nucléaire TNT, d'accord? Alors si tu veux que je la fasse exploser, abonne-toi à ma chaîne YouTube comme ces deux dernières personnes, les amis. Ce sont les deux dernières personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Si tu veux passer comme eux et avoir une dédicace dans la prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Surtout pas celle-là, frérot. Brice, écoute-moi, tu sais quoi? Pourquoi tu m'as dit que t'avais zéro diamant? Mais frérot, c'est parce que c'est à moi. Oui, mais je t'en ai demandé un ou deux, j'avais besoin un petit peu. Est-ce que tu m'as déjà donné des diamants? Non. Mais parce que j'en avais pas. Oui, c'est ça. Et il est où mon toutou? Je l'ai perdu, il a disparu. Tu fais péter ma maison et en plus j'ai perdu mon chien. Il est derrière toi, ton toutou. Qu'est-ce qu'il est là, ton toutou? Oh. Mais attends, mais c'est pas mon chien. Mais si c'est ton chien, je l'ai amené au coiffeur. Il a fait une petite couleur. Bon, ça va, ok. Si tu l'as amené au toiletteur, ça va alors, ça va. Bah ouais, tranquille, frérot, ok. Bon, c'est quoi, Brice? On oublie tout, ok? Je vais tout raser. Hop là, bombe nucléaire. Non, fais pas ça. On va aller vivre ensemble, ok? Avec tous les diamants que j'ai, on va se refaire une villa tous les deux, 10 fois plus grande, d'accord? D'accord, y'a pas de soucis. Mais fais pas péter ça. Ah, non! Free! Va dans l'eau! Non. Je vais dans l'eau! Oh, non! Oh. Je descends tout en bas. Je suis dans l'océan. Oh mon dieu, frérot. C'est infecté. Faut se barrer, frérot. Je vais mourir. Ça pue la mer. Ça pue le soufre. Je suis sous l'eau. J'espère que je vais pouvoir échapper à tout ça. Et c'est ainsi que les aventures de Chain continuent. Avec son stuff full diamant. Sans oublier son toutou. Et Brice de Las Vegas. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette aventure. Si tu veux en voir davantage, n'oublie pas de t'abonner. Bouge bleu pour le soutien, ça fait grave plaisir. Scène de Brice en description. Je vous invite, si tu veux voir une autre aventure avec les potos, à cliquer juste sur cette vidéo. Hop là, tu cliques sur ton écran. Et hop, ça lance directement. C'était une chaîne. Passe une bonne journée, frérot. Geek comme un porc. Ciao, bye. C'est vrai. Bisous, les gars. Bisous.